parle de date. Eh bien, aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, nous sommes le jeudi 24 mars. Et ce jeudi 24 mars est une date qui pourrait rester dans l'histoire de Xbox France, tout simplement car il s'apprête à faire ceci. Une annonce au Stade de France, oui, en collaboration avec la Fédération Française de Football, la FFF, double championne du monde. Bref, bah ça va parler de football, ça va parler de ballon rond. Et dans ce domaine-là, bah moi j'aime bien ça. Hein. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que le jeu vidéo aime aussi ce sport populaire, qu'est le tatage de ronds de cuir sur un rectangle vert. PlayStation est sponsor officiel de la Champions League, et donc là, visiblement, Xbox France s'apprête à officialiser un partenariat avec la Fédération Française de Football, donc l'équipe de France. Bah écoutez, je regarderai ça avec attention pour voir ce que ça va donner, et si c'est cool, bah je vous en parlerai clairement. Est-ce que ça va juste dépasser le sponsoring sur les bords de stade, peut-être sur les matchs de l'équipe de France, on peut s'attendre à ça, mais est-ce que, par exemple, Kylian Mbappé ou d'autres vont avoir des choses liées à Xbox? C'est possible aussi. Est-ce qu'il va y avoir des Xbox Series personnalisées, collector, équipe de France? Bah écoutez, nous verrons bien. Tout ce qui est certain, c'est qu'il y a une Coupe du Monde qui approche. Même si la période est un peu bof-bof, et si sa période en plus est un peu étrange, et s'il y a beaucoup de choses un peu sulfureuses hein, qui l'entourent, néanmoins, bah, est-ce que à terme, le petit Xbox sur les partenaires officiels de la FFF, ça paraît assez probable. En tout cas, à suivre. Vous me direz si vous êtes fan de football, tout comme moi, et quelle équipe vous supportez en ce moment. Alors, la France, si vous êtes français, ça me paraît logique, mais en équipe de club, laquelle a vos suffrages ?